Et bonjour, voici, nous sommes dans le ZCL News, nous sommes lundi 30 octobre, il est 12h31 et nous allons démarrer l'émission ensemble, je serai avec vous jusqu'à 14h. Aujourd'hui nous allons recevoir plusieurs invités, alors déjà monsieur Abel Alexis qui est déjà sur le plateau, qui représente le chef du service d'aide à la parentalité au conseil départemental. Il nous parlera d'une nouvelle, de la manifestation journée départementale de l'enfance, penser l'enfant, outils pour avancer. On verra ensuite Monette Williams, qui est vice-présidente de l'AJSTF, responsable de la commission départementale, qui nous parlera de la 6e édition du Bocantarbre. Ensuite, on recevra Benzo, créoliste et conteur, qui nous parlera de cette soirée Soucougnan qui est prévue le 31 octobre, donc dès demain. Et il sera aussi question avec Marie Létissé, enseignante chercheuse à l'université de Pause quantique, une retraite qui est proposée le 5 novembre. Mais déjà, faisons un retour sur l'actualité avec les différents titres que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agira de parler de Vieux-Fort et de la réunion qui s'est tenue à la mairie concernant la route départementale 6 qui a été bloquée suite à différentes intempéries. Il était question pour les usagers de poser leurs questions et d'avoir quelques réponses. On parlera aussi de la route de Gourbert qui a subi un éboulement spectaculaire hier, sur l'Ermitage, avec qui sont les conséquences de ces pluies tombées encore ce week-end. On parlera football avec le match des Guada Girls et qui a quand même subi une défaite contre la Cuba. On verra un résumé de cette rencontre. On parlera encore Octobre Rose avec la CANBT qui a organisé la 4e édition de l'opération J'entretiens ma santé, donc une marche qui s'est déroulée sur Petit-Bourg. Et on va clôturer le mois du créole à Petit-Bourg, justement avec des manifestations qui ont pu mettre en avant la langue créole, notamment tout ce week-end. Voilà pour aujourd'hui pour les titres. Voyons déjà le focus. Alors, le focus du jour. Alors, on chien ni quatre pattes, mais il n'a pas qu'à faire quatre chemins. On ne peut pas, nous ne pouvons pas tout faire, il faut faire des choix. Donc c'est extrait de l'ouvrage 365 proverbes de Didier Manette. Donc voilà, il faut faire des choix dans la vie. Un choix est meilleur qu'un non-choix. Et on va voir ensuite le deuxième choucamo. Le choucamo, non. On ne l'a pas, donc on le verra tout à l'heure peut-être. Alors, on va enchaîner sur les titres du journal. On a parlé de cette réunion qui a eu lieu vendredi, une réunion d'information par rapport à la route départementale 6 entre Rivière-Sens et Vieux-Fort qui était bloquée, qui a eu subi des dégâts suite à la tempête Philippe, avec des travaux qui sont nécessaires, qui sont peut-être plus longs et coûteux que ce qui était prévu initialement. Les usagers se posent des questions et il était question justement de pouvoir leur apporter des réponses. On va voir un reportage qui a pu être fait ce vendredi ensemble. Je pense que la population était à bout. On a trouvé urgent de pouvoir réunir tous les représentants du département, de Route de Guadeloupe, de la DEAL, bien sûr de la Sablière, pour que les administrés puissent poser leurs questions et qu'ils puissent avoir des réponses. Il y a urgence, donc comme ils l'ont dit, il y a d'autres réunions qui devront avoir lieu, je pense, pour faire le suivi de ce qui se passe et pour la sécurité de la population. Route de Guadeloupe a été claire aussi dessus, a demandé que les choses soient réglées assez rapidement. Donc on attend et on espère qu'au niveau de la Sablière, ils ont pris en compte en fait les demandes de la population et que tout le monde va être entendu pour trouver une solution rapidement. Je pense que c'était nécessaire et c'était important qu'on soit là, qu'on soit en présentiel pour pouvoir
apporter un certain nombre de réponses à la population, parce qu'ils se posent des questions. C'est vrai que la communion, on n'a pas trop communiqué ces derniers temps, donc je pense que c'était indispensable qu'on soit là, qu'on soit présent et répondre aux questions pratiques qu'ils se posent. Mon intervention était vive parce que je suis vraiment, vraiment fâchée, puisque c'est une situation récurrente. Et quand j'ai entendu les explications de M. Pravaz, qui nous dit qu'il peut intervenir, mais à condition qu'on mette un terrain à sa disposition pour qu'il mette le surplus de gravier, là c'était du n'importe quoi. Alors cela veut dire qu'il a les pelles, mais à charge pour les collectivités ou à la population de Vieux-Fort de lui trouver un terrain. Ce n'est pas entendable, ce n'est pas acceptable ce qu'il vient de dire là. Et ensuite, après, quand il reprend pour répondre aux questions, il reprend tranquillement. Oui, je dis que je peux intervenir, alors que c'est lui le pollueur. Nous, nous sommes enclavés à Vieux-Fort. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se retrouve, quand la route de Rivière-Sens est bloquée, nous devons passer par trois rivières. Trois rivières, il y a deux ponts qui ont été endommagés. Donc c'est très risqué. Je pense que la population a entendu, mais tant que la route ne sera pas sécurisée, tant que la population ne pourra pas passer avec toute sécurité, que ce soit matin, après-midi, soir, sur cette route, les questions continueront à se poser. Et c'est aux institutions, bien entendu, de trouver le moyen de sécuriser cette route et de sécuriser la vie de nos administrés, de la population en général. On a apporté un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient faisables et surtout qui peuvent être mis en pratique. C'est surtout ce qui est important. Après, reste le dégagement du sable, que bon, là-dessus, on n'a pas de calendrier, on n'a pas réussi à obtenir de calendrier, mais il va falloir qu'on s'acharne là-dessus de façon qu'on puisse avoir un calendrier et pour pouvoir créer des conditions de sécurité, de circulation pour la population. Et donc cette route très fréquentée, justement, nécessite des aménagements. On verra la suite de ce dossier par la suite. On va voir justement, toujours une question de route, des éboulements qui se sont déroulés sur la commune de Gourbert, à l'Ermitage, justement, suite aux différentes pluies qui sont tombées ces jours-ci, et des blocs sont tombés directement sur la route. On va voir un reportage de Gérard Loiseau. Ces jeunes dames-là, pour que nous prenons un moment, mais nous allons essayer d'intervenir au maximum pour nous faire l'arrivée à débloquer. Et là, vous voyez, en été, on ne voyait pas là. Ouais. La deuxième nationale, c'est quoi ça, débouler, il y a petit portail en moi, mais bon, nous pouvons faire en sorte de résoudre ça au maximum. Pendant tout temps là, pour organiser ça, parce que c'est quoi ça, en Chine, à Casamon actuellement. Nous voyons à Casamon? Oui, nous voyons à Casamon, mais. En tant que qu'il y avait pas là, nous pouvons régler le problème là ça. Le plus important, c'est que moi, devais intervenir plus rapidement, c'est que ces gens m'ont bloqué moi pour donner une autorisation à Guadeloupe et à battre de faire autrement. Et donc, le temps pluvieux de ce week-end a aussi causé sur Saint-François des inondations sur des commerces, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà pour les titres, on verra les autres titres de l'actualité. Il est temps de recevoir notre premier invité, donc Monsieur Abel Alexis, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef de service d'aide à la parentalité et psychologue au conseil départemental. Donc, et vous venez nous parler justement de ces journées départementales de l'enfance, pensée, donc avec un A, l'enfance, outils pouvancés. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques objectifs principaux de cette manifestation? Je sais qu'il y a beaucoup d'événements liés à cette journée, donc plusieurs dates, mais l'objectif global déjà dans un premier temps. Alors, ça se résume un petit peu dans le titre qui est proposé, c'est-à-dire de revenir ou de repenser, alors nous disons penser, mais parce que nous avons une dynamique qui se met en place régulièrement, donc penser l'enfant, c'est-à-dire vraiment y réfléchir pour savoir ce que nous voulons pour notre société guadeloupéenne, quel type d'enfant, quel type de famille nous voulons exactement, quelles sont les compétences qu'on souhaite que nos jeunes puissent avoir de façon à pouvoir évoluer dans leur propre vie,
Alors, penser PASER, pardon, c'est aussi soigner ceux qui sont en difficulté, que ce soit sur le plan physique. Alors, je suis psychologue, comme vous l'avez dit, donc, mais aussi sous ce point-là, parce que nous avons de plus en plus de situations douloureuses et compliquées pour les familles qui traversent des événements, qui reçoivent aussi des influences de toutes parts. Et donc, il faut quelquefois aider les personnes qui sont blessées à se restituer, à pouvoir se restaurer. Donc, à la fois, penser à porter une réflexion autour de l'enfance et qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, enfin, l'avenir des enfants, et peut-être apporter des outils de guérison, voilà, par rapport à la souffrance. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de penser, il faut aussi, dans la réalité, avoir des pratiques précises. Alors, que ce soit pour les institutions, mais d'abord pour les parents et les familles elles-mêmes qui sont touchées par, tout simplement, les événements et les situations de notre société. Donc, il nous faut effectivement trouver les réponses, les méthodes de réaction, de traitement des situations que nous retrouvons dans la vie réelle, j'allais dire, régulièrement. Et donc, ces outils pouvancés, c'est bien ça, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons nous positionner des actions qui se faisaient, des méthodes que les parents, par exemple, utilisaient auparavant, de nouvelles méthodes, justement, avec ce qui se pratique aujourd'hui, et comparer, mais aussi scouter ce qui est proposé pour retenir ce qui est formidable et qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Donc sortir ce qu'il y a de positif, en fait, déjà de l'éducation qu'on a pu avoir avant et ce qui se fait, enfin, l'état actuel de l'enfance. Quelles seraient les problématiques, on va dire, liées à l'enfance qu'on peut retrouver actuellement en Guadeloupe? Alors, il y en a beaucoup. Vous avez certainement entendu dernièrement qu'on parlait beaucoup de harcèlement. On parle aussi de beaucoup de violence. Mais moi, je parle aussi de beaucoup de ressources que les familles ont en elles-mêmes pour traverser beaucoup de choses que nous voyons tous les jours, qui ne sont pas forcément évidentes à régler, à traiter. Vous avez des familles qui viennent de partout, de la Caraïbe, par exemple. Juste se joindre, vivre ensemble, ça cause effectivement un certain nombre de difficultés qu'il faut ajuster. Et les familles ont la capacité, quelquefois difficilement, de se remettre en phase. Et nous sommes là pour accompagner, justement, pour traiter les questions qui se posent avec elles. Voilà, par exemple, quelques événements. Le harcèlement, bon, on en parle beaucoup, mais il y a aussi des choses plus pratiques, moins visibles peut-être, moins médiatiques, qui sont à traiter dans la vie réelle de chaque famille. Donc, ce serait comment harmoniser un art de vivre, en fait, c'est ce que vous dites un peu par rapport aux différentes, à l'état sociétal actuel, les différentes influences qu'on peut avoir en Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est-à-dire redonner aux parents, j'allais dire, la liberté d'éduquer leurs enfants à leur façon, puisque beaucoup de parents disent qu'on leur a imprimé une façon de faire. Non, il faut justement que les parents sachent qu'ils ont la possibilité de chez eux, dans leur propre cercle, j'allais dire, de créer le type d'éducation qu'ils souhaitent, tout en respectant les règles générales que disent les lois pour pouvoir effectivement éduquer clairement son enfant et positivement pour la société, puisqu'il s'agit de les rendre aptes à vivre dans une société. D'accord. Et donc ces journées départementales s'inscrivent vraiment dans cette volonté de promouvoir la protection de l'enfance, les droits de l'enfance, liés aussi à cette convention qui est du 20 novembre. Les journées s'articulent entre le 3 et le 19 novembre. Différents villages sont proposés. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, comme vous le disiez, théoriquement, la journée, c'est le 20 novembre. Mm-hmm. Mais nous avons souhaité, justement, pour élargir et avoir plus de capacité de toucher les personnes, alors faire un mois pratiquement à partir du 3 novembre sous forme de village. Donc il y a 4 villages qui sont proposés et une journée finale, si vous voulez, qui est plus ludique ou festive. Alors les trois villages, c'est d'abord Marie-Galante le 3 novembre, donc toute la journée à Marie-Galante. Ensuite, le 4 novembre, nous serons à Basse-Terre. Le 8 novembre, sur Moule, la commune du Moule. Et à Pointe-à-Pitre, le 18 novembre. Voilà, les 4 villages vont rassembler, si vous voulez, des professionnels qui seront sur place sous forme d'ateliers et des associations aussi, bien sûr, puisque nous travaillons régulièrement avec les réseaux d'associations et d'autres organismes. Vont pouvoir apporter au public qui sera sur place et qui viendra sur les différents sites où nous serons les informations, les questions, les réponses aux questions, si vous voulez, qui peuvent se poser. Donc nous aurons beaucoup de discussions, beaucoup
de relations directes avec les personnes, soit à travers des jeux, par exemple, pour les enfants. Je prends l'exemple du jeu de loi, qui est une recomposition un petit peu de ce jeu que tout le monde connaît sur la partie éducation, d'accord, par exemple. Donc, on aura tout simplement à partager ensemble lors de ces moments-là avec les familles. Donc, des villages, donc 4 dates, vous avez parlé déjà la première, donc Marie-Galante, donc le 3 novembre. Et donc, dans ces villages, il y a des ateliers avec des professionnels et des associations qui vont présenter différentes façons de parler de l'enfance. Donc, notamment avec le jeu de loi qui aborde, je crois, le droit de l'enfance. Oui, ça dit, nous restons de toute façon sur la thématique générale des droits de l'enfant. Et donc, c'est décliné à travers différentes activités, différents ateliers, avec la thématique que nous nous sommes donnée, penser l'enfant et aussi soigner, penser. Voilà, donc les choses seront proposées à partir de ces thématiques-là. Et donc, nous aurons, par exemple, jouer, c'est gagner. Ce sont des jeux qui sont proposés notamment aux enfants. C'est quoi un enfant? Donc, ça repositionne la question de l'adulte souvent. Qu'est-ce que je fais de mon enfant? Vous avez souvent dit qu'aux Antilles, on a un enfant roi. Mais il est roi jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à lui? L'énergie du matin, les petits déjeuners, enfin, comment c'est fait aujourd'hui dans les familles? On sait très bien que quelquefois les institutions scolaires sont obligées de présenter la nécessité de manger tôt le matin parce que beaucoup d'enfants tombent, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas réfléchir, etc., etc. Voilà, tout un ensemble de choses comme ça qui re-questionnent l'enfant lui-même, le parent aussi dans sa forme et sa pratique d'éducation. Donc c'est ouvert aux enfants et donc aux adultes. C'est une façon aussi de tisser du lien entre les deux. Comment ça va? Alors c'est ouvert aux familles. Aux familles forcément, que ce oui. soit grands-parents, oui. les personnes qui sont autour, les parents directs. Et les enfants, bien sûr, particulièrement. Les enfants sous forme de jeu, comme je le dis régulièrement. Et les parents sous forme de réflexion, parce que nous mettrons en place des ateliers de petits causés, si vous voulez, sur des aspects pratiques, pour savoir comment on peut répondre à certaines questions qui se posent dans la vie de tous les jours pour les parents. Et justement, par rapport au petits causés, j'ai vu qu'il y avait un thème « Je m'aime et je me respecte » qui parle un sujet un peu sensible, on va dire, de la sexualité chez l'enfant, oui, puisque oui. Ça a fait l'objet de polémiques. Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment ça se passe, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces ateliers, justement, vont aborder cette thématique, par exemple? Oui, alors, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, le Canada avait à un certain moment lancé mon corps, c'est mon corps. Mm-hmm. Par exemple, là, nous avons aussi mon corps est un trésor. Alors, de la façon dont on s'apprécie, l'estime qu'on se donne, on peut effectivement avoir des relations plus appropriées avec l'autre. C'est la question qu'on retrouve, par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui de suicide chez les enfants, chez les jeunes, d'abus sexuels particulièrement. Donc, on est obligé de retravailler cette estime de soi, s'aimer soi-même, s'apprécier selon ses compétences, ce qu'on ressent, savoir distinguer soi-même par rapport à l'autre, etc. Donc c'est extrêmement important de pouvoir, sur ces aspects-là, ouvrir le débat, j'allais dire, avec les parents, puisque ce sont souvent des thématiques assez taboues. On ne veut pas trop en parler, on n'en parle pas forcément toujours en famille. Donc ce sera abordé avec beaucoup de... J'allais dire de façon directe, mais en même temps, beaucoup de respect pour les personnes qui vont s'y prêter. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des professionnels qui peuvent peut-être apporter des réponses aussi aux parents, parce que la façon d'aborder peut-être la sexualité ou le corps peut être compliquée, et d'avoir des gens aidants et qui savent parler, peut-être pourront mieux expliquer cette problématique aux enfants. Voilà, tout à fait. Alors, au département, nous avons plus de 500 professionnels, justement, qui sont des médecins, des puéricultrices, des sages-femmes, des infirmiers, des psychologues, des éducateurs, enfin toutes sortes de professionnels, ainsi que les administratifs, qui sont là justement et qui se penchent sur les différentes questions de l'enfance, qui étudient, j'allais dire, mieux que les parents, parce qu'ils ont un regard plus large théoriquement, et moins émotionnel certainement par rapport à ces situations, en tout cas qui rapportent aux parents leurs expériences professionnelles pour qu'ils puissent être guidés et pouvoir se retrouver dans le paysage
de l'éducation, pas seulement dans ce qu'on fait chez soi, mais plus largement sur un certain nombre de questions qui touchent tous les parents, toutes les familles. Justement, par rapport à tout ce qui touche un peu l'environnement, on peut parler des chansons et des mots qui sont véhiculés à travers les chansons. Et je vois que le parrain que vous avez par rapport à ces journées, qui est M. Sadik, va faire un atelier sur l'importance des mots. Est-ce que... Oui, tout à fait. Alors je fais un parallèle avec ce qu'on mange. Oui. On se construit de ce qu'on mange. Hein. De plus en plus, on en parle pour éviter certains aliments qui ne portent pas favorablement les choses. Donc là, c'est pareil, les mots nous nourrissent. Et là, nous avons un artiste qui le dit et qui est devenu notre parrain pour la circonstance et qui va rappeler justement... qui va en discuter avec les personnes qui, soit qui écoutent ces chansons, soit qui tout simplement sont intéressées par la question, que les mots qu'on prononce, surtout les mots qu'on prononce, je le dis en tant que psychologue, là, marquent beaucoup les personnes, plus peut-être que les choses physiques qui peuvent disparaître petit à petit. Un mot dur prononcé peut être traumatisant pour la vie, quelquefois, lorsqu'on n'a pas réparé cette question-là. Donc les mots sont extrêmement importants pour construire et pour faire mûrir et grandir un enfant. Il faut savoir les choisir, les utiliser, à propos, et bien sûr, les porter régulièrement, parce que vous avez aussi des familles silencieuses. Oui, et donc... Et donc quand il n'y a pas de mots non plus... Les non-dits sont non-dits parfois... Sur plus, d'autres mots qui existent quelquefois, et qu'on n'a pas traité la question, on vit de façon inaccomplie. Voilà, et je pense que c'est extrêmement important que les parents le sachent. D'accord. Donc, ces journées vont avoir un point culminant le dimanche en famille, donc le 19 novembre à Duval, Petit Canal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette journée qui va clôturer, en fait, toutes ces manifestations ? Voilà, tout à fait. Donc, c'est une journée plus large, je dirais. Ce n'est pas une journée forcément sur des thématiques précises pour... Alors, j'allais dire rabâché, peut-être pour certaines personnes, mais c'est une journée plus ludique et festive, quoi, disons, autour d'activités, de jeux pour les enfants. Il y aura de toute façon des moments de parole, des moments d'échange à travers soit des artistes, soit d'autres personnes qui vont porter sous forme de stand, qui vont aborder un certain nombre de questions. Mais ce sera une journée ouverte, tout simplement, où on va avoir des jeux gonflables, des balades possibles de poney, de vélo, des activités de peinture, de création, etc. etc. Voilà, des choses qu'on retrouve peut-être sous d'autres types de stands, mais qui nous semblent importantes aussi à utiliser lorsque les familles se rassemblent. Parce que la famille, ce n'est pas seulement les choses tristes. C'est aussi pouvoir se retrouver dans les moments où tous, d'ailleurs, hein, on est au même niveau. Voilà. Ok, très bien. Donc le département permet justement de renforcer les liens familiaux et de promouvoir une société, on va dire, consciente et avec des valeurs de protection de l'enfance. Donc ça, c'est très important. Et ce que vous allez faire justement sur ces journées départementales, donc qui commencent ce vendredi 3 novembre à l'habitation Murat à Marie-Galante. Donc après, ce sera le samedi à Basse-Terre, le mercredi 8 novembre sur le Moule. Et le 18, Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc, pour vraiment balayer tout le territoire permettre de travailler sur cette thématique. Merci d'être venu, monsieur Alexis. Et on va enchaîner avec notre Choukamo. Choukamo, qui est estaquette. Donc, estaquette, ce sont des menottes qu'on met au malfaiteur qui s'est fait épingler. Continuez vos lébités à Moon et ouke voit yoke futeo estequette. Donc c'est le mot du jour. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour nos différents invités avec Monette Williams qui nous parlera du Bocantarbre. Ensuite, Benzo qui nous abordera cette journée soirée sous Cougnan. Et il s'agira après avec Marie Laetitia de Pause Quantique. Donc on revient tout à l'heure. Et rebonjour, vous êtes bien dans le ZCL News. Il est 13h et on va entendre
entamer notre deuxième partie d'émission. Sur la première partie, nous avons déjà reçu M. Abel Alexis, donc chef de service de l'aide à la parentalité, psychologue au conseil départemental. Il nous a parlé des journées départementales de l'enfance. On va recevoir tout à l'heure Monette Williams, vice-présidente de la JSF, responsable de la commission environnement, ainsi que Pascal Soumena, qui fait partie aussi de la JSF, qui vont nous parler de Beaucantar. Merci d'être sur le plateau. On viendra ensuite avec Benzo parler de la soirée des Soucougnans qui aura lieu demain, mardi, ainsi que de les pauses quantiques avec Marie Laetitia qui nous parlera de cet événement. On revient déjà sur l'actualité. Au niveau de l'actualité, nous avons parlé de cette réunion qui s'est déroulée sur la mairie de Vieux-Fort, sur la Sablière, en lien avec la route départementale qui était bloquée suite à aux différents intempéries qui ont eu lieu sur le territoire. Il était question d'apporter des réponses aux administrés. Nous avons aussi évoqué cet éboulement sur la route de Gourbert, donc, qui s'est déroulé hier soir, où des blocs sont tombés sur la route de l'Ermitage. Voyons maintenant le match féminin des Guada Girls, qui a perdu justement cette rencontre face à Cuba 2-0. On voit un résumé de la rencontre par Max Morel. En pénétrant sur la pelouse du stade de Valletta Sainte-Anne, les Guada Girls en rouge n'ont qu'un seul objectif. Faire oublier la cuisante défaite contre Sainte-Lucie lors de la première journée. Un pari qui semble difficile contre la sélection cubaine, bien organisée dans son jeu collectif. À l'image de cette première action, la gardienne Hachi lâche le ballon, talonnade de Aldana sans réussite. Aldana, très remuante, est fauchée dans la surface de réparation. Penalty pour Cuba. Jessica Pupo à la frappe, Hachi part du bon côté, toujours 0-0. Ça va très vite pour les Cubaines, qui cherchent l'ouverture du score, mésentente dans la défense guadeloupéenne. Sarah Gustari-Mac marque contre son camp, 1-0 pour Cuba. 35 minutes de jeu. Et puis à la 44e minute, une frappe de Jessica Alvarez qui ne laisse aucune chance à Anaïs Hachi. 2-0 à la pause. En deuxième période, incroyable séquence des Guadeloupéennes sans aucun but à l'arrivée. Avec deux défaites dans la compétition, la Guadeloupe occupe désormais la dernière place. On a besoin encore de travailler, on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a ce résultat qui est là, qui est une défaite, qu'on va lâcher malgré tout. Je pense qu'on a montré qu'en un mois, on a été capable de beaucoup travailler, d'améliorer beaucoup de choses. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va mettre la Guadeloupe tout là-haut. Le premier constat, c'est qu'on a de la qualité. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, par rapport à cette compétition-là, c'est sûr que ça n'a rien d'évident. Mais sur ce qu'on veut mettre en place, bon voilà, il y a déjà du bon. C'est ce que je vais retenir. Il y a déjà du bon. Et maintenant, on verra si sur les prochains rassemblements, en tout cas, je ne parle pas de Cuba, mais sur les prochains rassemblements, on arrive à avoir plus de ressources encore. Oui, la ressource, on en a, donc on ne doute pas que nos Guada Girls vont progresser. On voit maintenant la CNBT qui a invité le public à marcher dans le cadre de l'Octobre Rose. Une grande marche était organisée sur Petit-Bourg. Tous ensemble, marchons contre le cancer pour une meilleure santé. Donc après un échauffement sportif, les participants ont pu sillonner au départ de Caféière les environs et pouvoir aussi avoir des conseils en matière de bien-être, de santé et de motivation. On voit un reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes à Caféière Petit-Bourg. C'est la 4e édition de l'opération J'entretiens ma santé, marchons tous ensemble pour une meilleure santé, que le président a mis en place sur le territoire du Nord-Basse-Terre. À savoir que nous avons commencé la première à Goyave et aujourd'hui la 4e à Petit-Bourg, en partenariat avec la Ligue contre le cancer du sein. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir être présent pour sensibiliser et informer sur les différents cancers, et en particulier dans le cadre d'Octobre Rose, le cancer du sein, porter l'information
pour que demain les gens puissent avoir les éléments pour pouvoir parer au bien-être de leur santé. L'objectif de cette marche, c'est déjà motiver les gens à avoir une activité sportive, prendre soin de leur santé. Il faut savoir que le sport est souvent vecteur d'abonnement ou de licence. Et mettre en place cette opération, c'est pour permettre à tous, gratuitement, de pouvoir avoir une activité et profiter, découvrir la nature. Voilà. Ce qui était très, très intéressant, c'est cette façon qu'ont les femmes de lutter, de marcher et de se souvenir que c'est quand même dans la symbolique du combat contre une maladie. Donc elles parlaient du sujet en marchant, elles chantaient sur le sujet et nous avons été heureux de participer à ça. C'était dans la joie, c'était dans l'humour, c'était très intéressant. Et donc nous reviendrons avec ces dames pour la même lutte. Il nous restera à découvrir les merveilles des sites de D et de Pointe-Noire. Et donc on donne rendez-vous pour la fin d'année, début d'année prochaine ou plus tard, pour la 5e édition qui va être sur la même organisation, c'est-à-dire que permettre à tout un chacun de pratiquer, d'avoir une pratique sportive voilà, et de découvrir en même temps les richesses du territoire nord-ouestère. Et donc on se rappelle surtout que le cancer du sein, c'est pas seulement au mois d'octobre et qu'il faut vraiment faire attention à vous, prenez soin de vous et la première prévention, c'est l'autopalpation. Je reviens dessus, ça c'est très important. On va revenir sur le mois du créole qui se clôture d'ici la fin du mois, donc dès demain. Mais de nombreuses animations ont été proposées, notamment à Petit-Bourg, en lien avec cette langue créole, avec des mots phrasés, des expositions, une vraie réflexion autour du devenir du créole. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Jeudi, je nous en salle polyvalente dédiée aux seniors, mais sans salle polyvalente que nous fait pour organiser tout type de manifestation. Et c'est pour ça que jeudi là, pendant toute journée là, nous tenions manifestation en lien avec les créoles. Donc nous commençons déjà bon matin là, par des petits mots. Ensuite, en midi là, nous tenions tout ça qui était soupe à Congo en lien avec créole. Hein. Et nous finissons, et puis pendant toute journée là aussi, tenir une belle exposition qui dit créole, art créole. Et là, après-midi là, au soir là, nous finissons une belle conférence avec Harry Boussillon, qui est un sociologue petit bourgeois, mais qui particulièrement a œuvré dans le domaine culturel en nous. Donc, et qui était bien placé pour parler nous, au-delà des cadres créoles qui sont devenus. Et justement dans l'avenir. Parce que si nous ne pas mettre nous en route pour maintenir créole, à dans qui tient nous, à dans habitude et mettre sans nous, créole qui finit pas disparaître. On va constater qu'il y a un cas parlé de plus français qui sont là à l'école, tout partout. Et que là, nous avons travaillé pour garder bien, pour voir pour que là, peut-être qu'il n'y ait pas disparaître progressivement. Parce que si nous ne parlons pas toujours, ça ne veut pas dire que le combat a gagné. Alors, donc, si nous avons fait gens, certains qui ont fait déjà, des gens qui travaillent sur la langue la même, qui ont fait ou cherchant l'œil, qui ont essayé de garder un niveau à grammaire, garder un niveau à même à créer des mots nouveaux en disant l'anglais, tout pendant qu'on a conservé logique à l'anglais. Les gens qui ont essayé de gommer aussi ici, peut-être en Martinique aussi, pour garder est-ce qu'ils ont fait l'anglais avec une langue qui n'a pas officialité, même gens qui ont langue française. Tout ça, bon, à la radio, à la télévision, puisque le cas parlé. Des artistes qui ont parlé créole, tout ça bon, mais il ne faut pas nous comprendre que le combat là, ça a gagné. Si vous ne voulez pas persévérer, eh bien, vous pouvez attendre à ce qu'il y ait une diminution. En tout cas, créole là qui parle là, c'est parce que vraiment un véritable créole, vous pouvez trouver qu'il parle Wani Wana aussi, hein, parce que bon, vous pas développer l'anglais. Et on peut espérer que les grands-parents qui ont dit que ce petit monde n'a pas parlé créole, mais faites-nous arrêter ça.
fait si moun nan nou ka parler créole ban nou, fait nous ka apprendre à parler les deux langues, tous les deux importants. Fait nous apprendre à parler français pour nous là nous parti en France pour nous démontrer que nous sa parler français et là nous cap en Guadeloupe papa moun ki ka sorti d'autre côté ki ka vinn parler montrer petit moun nan nou parler créole parce que là tous ces moun yo sorti d'autre côté premier bitin yo ka apprendre c'est parler créole parce que en si marché en katan chinois ka parler créole et santo ka parler créole toute race ki ka vinn si marché là yo ka parler créole. Donc, le créole à l'honneur, nous quand même pas les créoles, et puis Monette William, ben oui, vice-président à l'association AJSF qui a fait en lot affaires, en lot événements, en lot bitin pour... En l'obitant tout bonnement. Donc, nous allons parler au-delà de Bocantarbe. C'est en 6e édition à Bocantarbe. Donc, Zoké, expliquez-nous qui événement ça y est. Et puis, Pascal Soumena, qui est bénévole à la JSF aussi. Donc, bienvenue. Alors, journée là, ça, c'est le 5 novembre. Kenny, en lot l'atelier, côté thème à patate douce, un trésor caché de propriétés médicales et alimentaires, et l'avocat, le roi des antioxydants. Donc, SOP, déjà, expliquez-nous qui objectif a journée là ça. Oui, on peut déjà parler de Bocantarbe. Hein? Oui. Et avant, on dit bonsoir. Bonsoir. Tout le monde à Canal 10. Hein? Oui. Éditeur et auditrice à Canal 10, bonsoir. Bonsoir. Et quand tu commences, je vois pas même tant de fonds habitants là. Venir côté Momo le 5 novembre à Saint-Félix. Ça, c'est pour vite. Venir. Voilà. Voilà. Alors, le 5 novembre, nous avons fait Bocantarbe. Quand chaque année, y a un thème différent. L'année passée, c'était l'abeille. L'année là, ça, c'est patate douce et zaboka. D'accord. Alors, pour qui ça a choisi ces aliments-là, ça, en fait? Comment? Pour qui ça, je choisis patate et zaboka, l'année là, ça? C'est-à-dire que Bocantarbe, nous créons depuis 2017. 2017, nous faisons un travail sur ça. Et nous dit, faut nous faire un butin pour amener le peuple à réfléchir. Et dire que y a qu'à dire, tout ça, c'est ancien, la montrer, nous, faut nous faire. Faut pas nous laisser tomber. Et heureusement, nous t'ai fait comme ça. Parce que ça permet, nous, à la 6e édition là, hein, nous avons fait miel, nous avons fait qui sont encore, cacao. Premier butin, nous avons fait c'est cacao d'ailleurs. En fait, si nous avons la LSH, parce que nous avons la LSH aussi, à Saint-Félix. Oui, nous avons l'obite. Nous avons l'autre affaire avec tout le monde. Et si vous avez passé un message, voyez si nous avons ça avant. Hein. Ça, vous connaissez. Parler les enfants avant. Mais oui. Et c'est vous là, vous avez une famille qui a dit, qui a passé à côté, vous avez dit, non, maman, voilà, telle chose et telle chose. Ou bien si maman a parlé créole avec vous aussi, vous avez pris un créole avec maman et papa. Vous avez dit, non, nous te voyons tel butin, tel butin, tel butin. C'est pas comme ça qu'on fait ça, maman. Tu vois, il faut passer par les enfants pour annoncer les choses. Voilà. Alors, nous avons fait le cacao. Après, nous avons fait... et puis, c'était se nourrir sainement avec le jardin Bocaz. Mm-hmm. On a pensé qu'on a changé. On les jardins Bocaz étaient venus dans le monde. Oui. Tout le monde, parce qu'avant, l'autre qui a été, on n'est pas qui. Hein? En présent, tout le monde a gommé pour elle. Excusez-moi. Tout le monde vous a planté, tout le monde vous a planté pour manger bon vite, puisque si nous pas ça, même nous, si vous pas ni tes, nous avons longtemps pour nous planter, pour nous manger, ça nous qu'à manger, ça nous qu'à planter. Ouais. Après, nous faisons manioc et camagnoc. Est-ce que vous avez mangé ça, manioc et camagnoc? Oui, camagnoc, ça bon, et puis le bouillon poisson est bon. Anti-cassave, avant aussi, vite, si qu'à coco, donc confiture ou quoi, n'importe quoi, est bon aussi, mon amour. Ouais. Après, nous venons faire l'abeille, là, l'année passée. Et là, aujourd'hui, là, nous avons fait patate douce et nous avons fait zaboka. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en l'essa, des intervenants qui parlent oui, en l'essa, ben, qui j'en oui. savent bon, bien fait à ces débits à l'essa? Oui, vraiment des mettre à manioc. Hein. Parce que déjà, patates là, sont très cachées de propriétés médicales et alimentaires. Ça, ça a interpellé les gens. Mm-hmm. Tu vois? Zaboka là, sont roi des antioxydants. Tout ça, quand interpellé les gens. Les gens qui j'en connais, bien sûr, parce qu'en Guadeloupe,
On tant longtemps, il était petit Guadeloupe, il n'y a pas qu'on était en hack mal à l'aide. À présent, donc, on a tout bite. Nous, de bout, Guadeloupe, il y a tout bite. À présent, on a tout bite. Voilà. Donc, antioxydants, c'est pour éviter vieillir trop, c'est ça, trop vite, c'est ça? Oui. Et puis, c'est bon pour santé, nous. Mm-hmm. Tu vois? Alors, nous tenons, M. Jean-Claude Blandeau, président de l'Ordre des gardiens du patrimoine guadeloupéen. À pas n'importe qui, mon. Hein. Bien sûr. Si vous avez parlé en les patates. Et on a pensé qu'on vient nous trouver dimanche. Ben oui, on peut vite. Ça. Mm-hmm. Parce que ça est formidable. Nous, pas, là, nous voyons nous faire beaucoup de temps. Nous n'avons pas qu'à bêtiser. Nous n'avons pas qu'à parler de ça. Et nous, l'historique de la patate douce que M. Glandeau a parlé, variété les plus communes qui parlait de ça aussi, et les usages les plus communs entre médicaux, alimentaires, et qui rentrent dans aussi, si moins, puisqu'il y a d'autres qui voient ça aussi. Vous comprenez? Et après, il y a la fin, d'où coup pour nous mettre patate en terre? Qui gens qui d'où coup pour planter patate? Qui gens pour faire? Ça, c'est important. Parce que moi-même, j'ai on sont jeunes femmes à 18 ans. Mais exactement, c'est santé quasiment. On t'a dit 15 ans, mais bon, c'est 18 ans, ils vont. Femme, quand un papa est agriculteur, il a planté patates. Mais moi, si on me dit, moi, voilà, il fait ça, fait ça, il fait au mieux. Si il était planté patates, en 6 mois, il était capable. Mais peut-être c'est mon ça, comme c'est des métamoniques, il peut prendre 15 ans, peut-être en 3 mois, puis pour nous, j'en manger. Patates. Merci. Nous pas connaître. Parce qu'avant, les gens ne savent qui j'en pour planter, qui l'est pour planter, il n'y a pas toutes les pour tout planter. Tout bitin, qui la ligne. Qui la ligne, qui bon. Qui la ligne pour couper, pour planter, pour faire tout bitin, les gens ne connaissent pas tout bitin là. Tu vois, mais à présent... Tout bitin là, capet. Donc, après ça, nous avons Mme Nathalie Vainqueur, qui vient parler des avocats, c'est ça. Oui. Qui parlait des avocats, et qui parlait des rois des antioxydants. Là, il ne faut pas nous faire conférence là-bas, yo. Forcément, la vie nous t'es conférence là. Faut que nous t'es conférence là. Donc, pendant ces conférences là, il y a qui met en valeur tous ces ingrédients là. Enfin, en qui genre ça est bon pour le corps, pour l'homme, pour tout bitin. Pour toute qualité bitin encore. Pour tout genre, patate là et avocat là, bon pour santé et nous. Mais bon est-ce nous qui peut manger après? Quand on va dire là? Oui. Pascal qui mettait au courant tout à l'heure pour voilà. Manger là. Pour manger, c'est Pascal qui mettait au courant. Et nous tenons, on note naturopathe, qui est aussi missionnaire médical, qui paye là, il paye en Guadeloupe, mais qui voyons en vidéo pour nous. Intervention qui est faite par vidéo, et moun qui peut garder. C'est moderne. Et que, voilà, on comprend tout bien là, ma chère, ma pauvre. Tu vois? Et qui peut parler des patates là, vous comprenez? Et qui peut faire deux ou trois menus qui montrent moun qui gens. Pour organiser, qui gens pour nous manger, qui gens pour nous faire, qui gens pour nous transformer patate en nous pour nous manger autrement pour nos parents qui fait, mettez patate la bouillie, la guéon, coupe guéon, poisson, assis, bon, si moui. Bien que ça bon, hein? C'est bon, mais tout bonnement. Mais quand on dit l'on, tu sais, quand on moui, patate, on va un petit salade qu'on commence à goûter, quand on toujours un petit légume. Quand il y a un petit piment, on laisse ça, c'est bon. Il est là bon tout bon. Donc Kenny, donc conférence, Kenny stand aussi, nous monde qui peut acheter. Nous n'avons pas de trentaine de stands. Trentaine. Des transformateurs, de toute qualité stand, que tu veux. Je vois ça, que tu veux servir aux avocats, que tu veux tout mettre à la patate. Donc, quoi changer? Où j'ai mangé confit de patate? Oui. Bon. En tant longtemps, mon petit café ça en long. Mais en fait, ça fait pas parfois pas manger trop sucre à présent. Là. Ah, bah, oui. C'est ça, il faut faire attention à tout bite à présent. C'est difficile à présent. Mais on peut manger quand même. Parce que si on mange un petit confit de patate un jour, à partir de ce que tu veux, au fond. Mais bien sûr. Donc échange et vente, yo qui peut acheter aussi plantes. Tout ça yo veut. Qui peut faire tout ça. D'accord. Tout ça yo. Ça que faire lobby et tout ces sont là qui ni là, on qui peut manger, goûter des produits à base de patates tous, mais qui ni des produits aussi produits cosmétiques. Cosmétiques aussi. Voilà. D'accord. Des produits cosmétiques avec l'avocat. On a découvert les bienfaits de l'avocat. Parce qu'on peut utiliser ça comme masque aussi. On peut utiliser comme masque. Il y a trois petites recettes simples que on a refait en casa. Voilà, parce que l'avocat là, par exemple, on peut manger dans la salade. On peut faire un petit gâteau à l'avocat, si vous voulez. Mais si l'avocat n'a pas le temps de manger tout, on peut faire un petit soin beauté éveil.
Voilà, exactement. Quand tout ça, pour mon appui, en fait, disons ça, ouais, produit en nous local, il bon nous peut manger autrement, différemment que d'ordinaire. Et quand nous connaissons ça, nous cachons plus produit en nous. Voilà. C'est ça, ok. Donc, ces journées-là, ça, alors, manger, parler, donc, beau comptage, on les plante. Et, est-ce qu'il y a une musique aussi, vite un peu? Attends, trop loin. Conférence qui a commencé à Nevey. Oui. À Nevey, jusqu'à 12h, jusqu'à midi, et qu'il y a des questions posées aux gens qu'on est... Voilà, donc il y a mis ma qui en l'eau a fait. Après ça, nous tenions foi au culinaire. Parce que si nous ne faisons pas de tête, nous faisons beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on peut aller démanger ça. Nous ne faisons pas, mais c'est pas possible. Comment on veut que nous fassions tout ça pour nous manger? Il faut nous manger, nous sommes association en plus. Vous comprenez? Qu'il y a aussi des essences de plantes, qu'il y a pas mal d'habitants. Mais et qu'il y a 14 heures après, après le repas là. Ça pour finir, hein. Nous avons un bœuf musical. Donc, avec un bœuf? Non, pas ça. Ah, nous pouvons jouer bon bœuf. Nous pouvons jouer bon bœuf, bœuf musical, ça veut dire. Où j'en connais. Où j'en comprends. Tout le monde j'en comprends. Et nous, ça fait style. Bon, quand on commence à 16 heures. Alors, c'est de l'après-midi. Toute la journée, pas préparé. Rien d'autre. Jusqu'à 17 heures. Jusqu'à 17 heures, tu vois, où Kevin, le matin, ou quand on inscrit, ou quand on écoute, ou quand on a quitté le matin, après. Là, on va poser des questions dans les midis. Ou soit on va y manger, ou soit on va y faire tout acheter ces stands-là. On va regarder toutes ces stands-là, on va regarder les on est tout ça où tu es voulu. On pas énumérer ces stands parce qu'il y a trop de bites. Oui, si vous pas en avez 30, vous ne pouvez pas commencer. Toutes les qualités de bites qui tout le monde qui est vrai, tout le monde qui est satisfait, tout le monde qui est content. Donc, à la JSF, directement, jardin de la JSF, le 5 novembre, à partir de... Donc, 9h, conférence, mais au pays Vinavon. Quand on dit là, mais depuis à 7h, forcément, mon instant, là, j'ai pas eu, j'ai là. Puisque ça a ouvert à 8h. Tu vois? L'ouverture, oui. C'est 8h. Alors, ça veut dire que depuis 7h, 7h30, il faut tout le monde être présent. Ni des gens qui sont responsables de stand, ni des gens qui ont fait chaque monde. À la GSF, nous organiser. Oui, on sait ça. On sait ça. Et de toute manière, ok, là. Okay, nous organisons la GSF, nous sommes tout le monde qui a fait ça, le monde qui a fait la président là, Dougout, président là, la Kapou, en toutes gens du monde Dougout. Tu vois, tout le monde qui a fait bien, jusqu'à temps pour passer une bonne journée, nous avons échangé, nous avons causé, nous avons fait ce qui nous a dit causé, nous avons fait toute qualité de la vie pour nous passer une bonne journée, grâce à Dieu. Et qui nous danse aussi, Thibault? Encore alors, quand admettre que. Mais non, mais ça n'est pas possible, pas de danser. Encore admettre que. Nous en plein journée dimanche, nous n'avons qu'un style bon, nous n'avons qu'un bête musical, nous n'avons qu'un bout de comme ça. Je ne sais pas encore ailleurs, mais bon Dieu Seigneur, la Vierge Marie, oh là nous y est. Oh là donc, il y a tout bite là. Tout bite là dimanche à partir de. Bah, on peut venir depuis 7h, c'est ça? Enfin, oui, mais l'ouverture, c'est 8h. 8h. À partir de 8h, l'ouverture. Voilà. 7h, c'est pour les mounes. Voilà, pour y installer. Pour manger chapiteau à yo, stand à yo, fait. Alors, voilà. Qui message aux orbisins transmettre à travers ben, tout ça? Eh bien, tu sais, on a venu trouver nous dimanche. Venez trouver nous dimanche. D'ailleurs, nous ne pouvons même pas aller vers yo. D'ailleurs, pas d'avoir tout ça en jadis là, on a pensé que les gens comprennent. Yo que comprennent un petit peu plus dimanche. Parce que par rapport à tout ça, yo que vrai. Et si yo pour bien mettre en tête à yo, faut nous manger ça, nous qu'a planté. Faut pas nous manger pour qualité cochonnée. Faut nous faire jardin bon pas dans nous, même si on a un pot. Ou mettez des. Mais si on joue ça, on n'y patate à un pot. On n'y camagnoc en pot, parce que je mange camagnoc en pot. Donc tout, panique, pour excuse. Enlève le coin, même si on a l'étage, même si on a pas où tu es, là où il est, on peut faire tirer des anwa dans le coin. On peut bouger plein de la plante. Mais on peut mettre ça, on peut manger, on peut mettre un petit flair aussi, un petit bité pour avoir un petit goût. Il est à quand ça. Il faut toujours voir son machin plante. Son machin plante, tout bité. Mais on peut mettre bité, on peut manger. Bité pour ce team-là. Là, team-là, les vidéos, quand maman a fait des camagnoc dans un pot. Mais c'est belle, pas possible, ça. Ça belle, ça belle. Patate dans un sac. Dans un sac jute. Patate dans une porte. Patate dans toute jambe.
Pourquoi vous pouvez nous faire des choses? Eh bien, bon, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Donc, rendez-vous le 5 novembre dès 8h. Voilà, la JSF. Merci d'être venu. On va prendre notre deuxième coupure publicitaire. On revient tout à l'heure. Rebonjour, donc il est 13h30, c'est la troisième partie du ZCL et on a déjà sur les deux premières parties reçu Monsieur Abel Alexis qui nous a parlé de cette journée départementale de l'enfance. On vient de parler avec Monet Williams et Pascal Soumena de cette journée du 5 novembre qui aura lieu à la JSF. On va recevoir dans très peu de temps donc Benzo, créoliste et conteur, bonjour, qui est sur le plateau, merci d'être là, qui va nous parler de cette soirée Soukounian qui aura lieu demain. Et on va recevoir ensuite Marie Laetitia qui sera avec nous pour nous parler de Doucet Quantique. Donc on parlera de ça tout à l'heure. Revenons déjà sur les titres de l'actualité où on a abordé cette réunion qui a eu lieu à la mairie de Vieux-Fort en lien avec la route départementale 6 qui était bloquée suite aux intempéries. Les habitants se posaient des questions. C'était lors de cette réunion qu'ils ont pu avoir quelques réponses. On a aussi abordé l'éboulement qui a eu lieu sur la route de Gourbert hier, avec des images assez impressionnantes. On a vu aussi le match des Guada Girls face à Cuba, qui sont soumis à un avenir prometteur malgré cette défaite 2-0, enfin 2 en faveur de Cuba, justement sur ce match. On a eu l'occasion de parler de l'Octobre Rose et de cette marche qui s'est déroulée sur Petit Bourg. J'entretiens ma santé, donc dans le cadre de l'Octobre Rose. Et on a clôturé le mois du créole à Petit Bourg avec des animations qui se sont déroulées autour du créole. Et il sera justement question de ça avec Benzo, donc qui est conteur qu'on ne présente plus, qui vraiment dédie sa mission de faire évoluer et connaître le créole, donc notamment aux enfants. Et il est question de cette soirée Soukounian, donc demain à Beauport. Ça fait un petit peu peur, rien que d'en parler. Alors, ma première question, c'est la soirée Soukounian, qu'est-ce qui a inspiré cette création de cette veillée de demain? Eh bien, il y a Cynthia Fimbel, oui, qui travaille à Beauport, dans l'espace de Beauport, qui a fait appel à moi. Il me dit, est-ce que je serais pas capable, mais est-ce que ça me dit d'animer une soirée où on va parler des Soukounian, etc. Est-ce que moi, j'ai des informations? Bon, j'ai pas mal d'informations. Ou Javois Soukounian. Ah, Javois Soukounian aussi. Oui. Donc, j'ai pas mal d'informations. Surtout, bon, j'ai animé en radio pendant 4 ans, en Radio Bélo. J'ai animé aussi sur et RFO en temps, mais j'ai toujours dans les comptes les jeunes traditions, tout ça. Et comme moi, de toute mon enfance, j'ai fréquenté les personnes âgées qui m'ont expliqué des choses. Et j'ai fait aussi des enquêtes là-dessus. Hein. Ah ouais. Des enquêtes alors, là-dessus. Qui j'en donc, j'ai beaucoup de témoignages. Qui a existé pour vrai, pour elle. C'était des bitains où j'avouais. Oui. Soukounian. Ah ouais, Soukounian. En bon, Soukounian, t'as 17 ans. Parce que si c'est ça, quoi, qui est Soukounian, j'avoue, il y a un vrai Soukounian qui était mort des mounes aussi, et un vrai sang là, dans la terre, là, tout ça. Mais Soukounian, on a été 17 ans, et ben, c'est mon fond Kako, hein, mon fond Kako à Peste, et ni Rivière Karoubé qui a passé à 200 mètres côté. Alors, là, et nous, c'était vacances à Noël. Je dis, tout le monde est en vacances, nous faisons partie, nous faisons manger au bon rivière. Et c'est en décembre, c'est période en Babon, son zième sauvage. Là. Alors, Nisaya est fouillé en Babon depuis l'après-midi, et le matin même. L'après-midi, Nisaya a mis l'ampa, c'est-à-dire des morceaux, coco, maria, d'enfil, qu'on mettait en rivière là, et Ouassou, et Kribich, qui a vu de manger. Et nous avons une équipe chargée pour y aller, qui a mis ces Ouassous là. Donc, notre équipe qui a tout mangé là. Organisé. Et chaque monde qui avait bon là, là, c'était oui. Bol à aluminium, pas des assiettes, hein, c'était bol à aluminium, oignon, fourchette, et quoi descendre. Moi, j'étais chargé pour des récipients, des gros macrocotes. Moi, j'étais prêté un gros macrocote pour nous tuer de ziam, là, et pour un autre canari pour nous tuer de rassou, là.
Et regardez, nous la bay blague et tout ça, nous content, nous petit gentil mon en dizaine. Nous senti parce que ça ou en plein fin d'adolescence ça ou était famille au bas autorisation la nuit à en partie au bord rivière. Ah, nous content quoi bay blague. Maintenant ça était lâche compétition du un jour, on était pète tout de bidet. Oh, regardez, il y en a dans nous, le manger la tuite côté neveu de mi 17 soir. Il y en a dans nous qui a dit ah, mon oublié bol en moi. On va chercher un fer à Sigine. Le Sigine, c'est grand fer, il va trouver, il va monter si chez Kaobé, ouais, c'est grand fer qu'on fait à Madé. Il dit qu'un fer à Sigine, on qui rangé pour me faire un bol pour moi peut manger. Les parties chez fer à Sigine là tout près. Quand les hommes viennent voir ça. Parce qu'on prend la partie dernière, en mi-temps, parce qu'on ne fait pas derrière ni devant, mais en mi-temps, parce qu'on caille. Viens nous voir sous couillant. On va regarder. Donc, jeune pied coco, au Wanou, nous avons une grosse boule d'ifé. Une boule d'ifé était environ un diamètre, environ 40 cm. Hein? 40 cm de diamètre. Il y a un pied coco là, et un pied coco là-bas à brûler. On va regarder, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Et on a dans nous tenions un petit lampe de pochette, pile plate là. Ça a sorti vite dans le monde. Il était dans l'année 68-69. Hein. Là, regardez. Et il bat un coupé. Il a éclairé. Il a un gros boule d'ifé. Il a sorti un petit coco là. Il est parti. Ouais. Il a déplacé en haut à ses pieds pour là. Il est parti. Il a fait sa affaire. Il n'a pas brûlé à rien. Alors, si c'est ça, il va qu'il y a un soukouillant envoyé. Donc, c'est de ça qu'on a parlé demain. C'est de ouais. En soirée soukouillant. Donc, qu'il n'y ait des comptes. Qui dit d'autres comptes. Oui. D'autres comptes, si diable la diablesse, ce couillon. Mais ce couillon-là, c'est plutôt témoignage. Parce que les gens qui ont piqué en soukouillant, souvent en soukouillant, qui ont empêché ce couillon d'entrer à casa. Et les soukouillants entrés. Alors, qui ont qu'à faire parce que c'est un peu plus ça qu'on est là. On ne peut pas dire ça qu'on est là. Fait, si on a vini, demain, à cette soir, à Beauport. Venir voir tout témoignage qui ont arrêté en soukouillant, qui ont empêché soukouillant d'entrer. Et les soukouillants rentrés, soukouillants ont dit qui ont qu'à faire, puis rentrer en disant casa. Et si par exemple, ou piquant soukouillant, là où ou piquant soukouillant, quand il arrive fait, pour par exemple, pour pas mort tout de suite, venir tout cater de l'eau, puis au bail boire, tout c'est vite à ça. Ah ouais. Et ni soukouillant qui prie à d'un fil à courant aussi, c'est moi qui ai mené soukouillant à l'hôpital, mon nouveau soukouillant. Et tout ça. Donc, tout ce vide à ça, nous pouvons parler demain soir. Ça, ouais, demain soir, c'est en ambiance. Peut-être aussi, il y a aussi un pied fromage à côté de là. On soukouille un peu, il va faire nous l'honneur aussi. Devine, on fait tout. Pas ça. Tout ça. Donc, tous ces vides là, ça soukouillant et tout ça, ça fait partie de tradition orale en nous, de vraiment. Toutes les rites et croyances en nous. Oui. Mais peut-être aussi. Et pas nous longtemps, on sort de messe l'habitude qui débarque en pays, en nos affaires, Halloween et tout ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas pour ça, pour un gens dit mi-tao, mais mi-tao. Mi-tao, ça c'est tant. Oui, mi-tao. Ou quand vient mi-tao, mi-tao, c'est ça. Voilà. Alors, tout ça, et ça sont belles bites aussi pour nous voir que. Et qui tient en nous, messe l'habitude en nous, pas qu'à disparaître, fait si vous en nous savez aussi, nous, ni tant nous, qui tant nous. Et venez demain, radio, venez beau pour demain. Si vous avez peur, vous pouvez trapper, vous pouvez dire la tremblade parce que vous ne pouvez pas savoir si on ne peut pas savoir. Vous pouvez trapper Jean-Marc, vous ne pouvez pas savoir. Ah, alors, mais qui est un 40, ces comptes-là, les gens de Guadeloupe, ont été un spécial, selon vous? Un spécial, là, c'est d'après témoignage, parce que les grands, les gens qui avant connaissent plus bitin, ils voient bitin. En famille, en moins, tu as une 3 comptes. Et en fréquenté, il y en a dans ce comté-là, Albert Gaspard, il vivait toujours, il y a 98 l'année. Ouais. Et il était raconté moi, il était avec moi, six épaules, il a déplacé, c'est une croyance partie, au bord, il y avait, il y tout partout, c'est cousin, Jérôme, papa, moi. Eh bien, il a été capable, il a dit, cousin Albert, raconte-nous en compte. Il a dit, ah, c'est tout, on a fait une bouteille. Il a assisé, soit devant un bon pied bois, devant une case, si on marche, il a toujours raconté nous compte. Et il dit, moi, pas connaître papa, et papa, c'était un comté aussi. C'était compté à tout quartier. Là. Donc, il y a point de 10 comptes. Papa, parce qu'il y aura plusieurs fois, mais c'est tout celui qui a 10 comptes. Ils ont des blagues à faire d'autres bidins. Et c'est pour ça aussi, peut-être, vous défiez moi qui a des comptes aussi. Il y a en génération. Et à part des livres, il y a raconté moins de comptes. Mais il y a raconté moins d'autres bidins. Tout ça, il y a un chien. Et esprit, l'homme au bâton, parler de. Et Tissapoti.
parler de la diablesse, maman de l'eau, tout c'est évident ça. Esprit, catélie, tout catélie. Moi, tu croyance au lumière d'inviter nous. Tel jour, si c'est la Toussaint, ou cap ou pas faire, par exemple, quand il a passé sous à la Toussaint. La Toussaint, c'est merci. Dans des jours. Oui. Eh bien, quoi, Dieu, souvent, quand Dieu, on a un bel cher, par exemple, on ou on vient à venir border là tout ça ou son bel cher ils font basse avec soit basse là puis c'est basse là puis parce que il fait un cimetière ah bon alors puis oui, c'est sous ça, ou, on va connaître tout ça. C'est pas un cimetière à fermer au coup puis si on vient border là ou tout beau content oui. Mon agoua c'est puis alors on l'obtient hein, qu'a fait donc vous parlez de FIA, de l'idée à transmission c'est ah, oui, ça transmission. Son butin qui est important bon, parce oui. Que ou qu'on t'aime, mais ou qu'on laisse ses traces aussi parce qu'on écrit. Ah oui, on a écrit, on a marqué 23 livres. Hein? 23. Pas 23 livres, on a écrit à créole aussi, vous savez, à la créole là, Red au marteau. Et on a fait peut-être, puisqu'on disait dans livre à compte, on a plus de 148 comptes en tête en moins. Bon, moi-même, j'ai inventé aussi, puisqu'on était en tête de compte. Donc, on est compte en période en mois et 6 jours, ben, compte sans arrêter. Bon. Mais oui. Donc, c'est pour ça aussi, on a l'idée aussi de tout ce patrimoine, quoi, du patrimoine immatériel, tout patrimoine à nous là, ça, on voulait transmettre ça. Et c'est la raison, c'est pour la raison, et en profiter, comme on mettait en plateforme à créole, langue-créole.fr en ligne, à six plateformes là, ça, on a mettait tout ça en ramassé pendant puis 70 l'année. Ouais, parce que. Ouais, il ne faut pas ça perdre, ce bitin-là. Après, pas ça perdre. En cas, il mettait environ 1200 proverbes, comme si un genre de quiz. Mais en cas, il mettait un genre pour que les gens retiennent plus facilement. Mm-hmm. C'est-à-dire, une sorte de pédagogie en travail avec Timoun, comme on travaille mm-hmm. entre professeurs aussi, entre maîtres de l'école. On travaille 42 ans avec petit Timoun, maternel, et préparatoire et tout ça. Ces Timoun-là, ils ont des gens pour parler, bah, pour qu'ils retiennent. Parce qu'à l'âge-là, ça avait ces Timoun-là, les images. Et c'est pour ça, dernièrement, une 3 ans de ça, on était à l'Université de Toronto. Mm-hmm. Et un professeur à l'université posait-moi la question. Là, on était qu'à expliquer des bits en créole. Mais comment qualifiez-vous votre pédagogie? On dit, bon, on travaille 15 ans, il y a 600 ou chaque, ou chaque. On pas chercher qualificatif. Le gars dit, moi, j'aurais qualifié ça d'une pédagogie immersive. On dit, précisez votre idée. Il dit, même, c'est même été, quand expliquez-moi, si vous mettez un bitard dans de l'eau, vous pouvez vous laisser tremper, vous mettez un dollar mouillé, aussitôt tremper, aussitôt mouillé. Voilà, pas laisser vous laisser, vous plonger, il va mouiller. Il dit, mais en pédagogie, mais aussi, son sorte de pédagogie, là, vous pouvez expliquer mon habitant là, vous pouvez faire son sorte de habitant, vous pouvez créer un univers virtuel, vous pouvez voir qu'il était présent dans ça, gens là, vous pouvez expliquer là. Parce que c'est pour ça, les gens disent, mais Benzo, pourquoi pas ni. Pourquoi sont eux venus et en créole? Bon, quand il m'a dit au monde qui était là, entend là ça, et en qui dit après. Mais qui j'en peux faire? Je ne peux pas une machine à monter le temps, à monter, si on est là, quand tu es temps, quand tu es vrai. Qui j'en ça te peut passer? Quand ils font, peut-être aussi d'avance, on comptait. Donc, on comptait l'imagination, on qui est inventé en situation pour expliquer en vite. On dit, imaginez. Ah, ils ont belle, ils ont bruit manger à civilisation. Comme ils ont bruit manger à civilisation là, il y a tout pour manger. Il y a mettre habitation là, par exemple, on casse. Oui, qu'a dit ce mot là. Apporte-moi deux œufs. Mais où ça, là, quand il y a en situation esclave, faut toujours montrer, même si on est mal aux dents, faut toujours qu'à sourire. Faut pas montrer que mais t'as quasiment apporté deux œufs. Mais bon, faut toujours sourire. Et là, on voit qu'on a souri dans l'audio. Répétez-moi, moi, deux œufs avec dans l'audio. Quoi, 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 dit. Des œufs. Et quoi, dit. Hein, des œufs. Des œufs. Des œufs. Ah oui, c'est pour René. Hein, René. Ouais. Quoi, non. Apporte-moi aussi du riz. Hein, du riz. On ne peut pas dire du riz. Dans l'audio. Donc, imaginons une situation comme ça. On ne peut pas dire ce qu'on s'est fait. Hein. Oui. Parce que des situations, il a expliqué certains vides. C'est pour ça, en mettant en place en sorte de pédagogie, que vous pas apprendre à rien par OK, mais qu'on retienne tout ça au vrai. Tout ça au vrai. Oui, par l'expérience. Ouais, c'est possible. Oui, mais c'est-à-dire, c'est pourquoi quand tu dis ça, parce qu'ils sont y a en ligne, y a aussi les images. Parce qu'en radio, c'est une pédagogie visuelle et auditive, pas audiovisuelle. Parce que pain et saucisson, pas même bien que saucisson et vin.
Ni 95% de pain. Alors, c'est-à-dire, on l'a visuel, quoi, ouais, qui j'ai un café. Mm. Un exemple très simple pour comprendre pour qui j'ai une pédagogie là, ça a marché. Alors, imaginez que, ou, voilà, il a un coup, vous voyez tout ça y passer. J'en tape monté, j'en tape dit, est-ce qu'il y avait un témoin? Vous levez doué. Vous pouvez raconter ça, vous voyez. Mais vous pas apprendre rien. Vous étiez tout ça, vous voyez, sans apprendre rien. Vous pouvez réciter, oui, j'ai une voiture arrivée à toute vitesse, il y a calvant des chaluriers. Non, vous pouvez apprendre. C'est inconsciemment compétent. Voilà, donc, là, dans cette situation-là, on fait une démonstration qui vient à marcher. Eh bien, on peut retenir ni sans apprendre. D'accord. Donc, la soirée demain, soirée sous couillon, Beauport, 19h. C'est à partir de. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour petit tout le monde. Grand, petit bon gars. 19h22h, on peut trouver sur place le ticket, pas besoin de réserver. Non. Non, il bon. Sous vos pères, c'est tiens, Benjamin à famille, à rentrer en robe à Vinay maman. Vinay, on t'y dit, mais poche, aïe. C'est ça? Mais diable pas, diable. Diable pas, diable. Merci, Benzo, pour cet événement et d'être venu sur le plateau. On va enchaîner avec le reportage de Maurice Cessé, donc, qui a fait une interview de M. Baptiste suite au rendez-vous avec le président Macron de nos élus d'outre-mer. On va voir ce reportage ensemble. Le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste Sorcier, qui a participé ici à l'Élysée à cette rencontre autour du président de la République, où plusieurs dossiers ont été abordés. Qu'avez-vous retenu de ces entretiens, de cette rencontre ce matin ici à l'Élysée, Christian Baptiste? Nous retenons que le président de la République, avec son équipe à la Royaume-Unis, ont la volonté de construire, de co-construire. Alors moi, je dis déjà dans un premier temps, en tant que membre de la Commission des Finances et rapporteur, co-rapporteur du budget, qui le dire, et nous voulons, dans l'élaboration du budget, que nous soyons associés, que nous soyons consultés dans les arbitrages depuis le mois de février, mars. C'est ce que le ministre Vigier, délégué des Outre-mer, a pris cet engagement. Donc nous inscrivons cette promesse en lettres d'or dans du marbre pour nous permettre effectivement de ne pas être mis devant le fait accompli. Parce que nous avons évoqué toutes les problématiques. C'est vrai que je ne vais pas les énumérer, de continuité territoriale, de l'eau, tout ceci. Mais tout ceci doit s'inscrire dans un budget. Le budget a évolué de 7%, d'accord. 20 millions d'euros au niveau interministériel. Mais nous avons une inflation de 4,5%. Lorsqu'on fait la différence entre 7% et 4,5%, on voit très bien qu'en en réalité, ce n'est pas 7% d'augmentation. Mais surtout, nous disons que nous qui sommes des territoires dits d'outre-mer et qui représentons effectivement un élément important de la biodiversité de la France, donc nous voulons qu'il y ait un budget de transition, notamment pour la planification écologique. Le 23 septembre, effectivement, le président de la République a parlé de cette planification, mais sans véritablement nommer les Outre-mer. Et donc, parce que nous avons, d'accord, il y a le fonds social, le fonds de solidarité des Outre-mer, notamment pour les risques majeurs, mais cela ne suffit pas par rapport aux enjeux que nous avons, par rapport aux défis que nous devons relever. Et donc, par conséquent, nous disons, il faut qu'il y ait ce véritable budget de transition pour pouvoir répondre à ces enjeux. C'est vrai que les collectivités, ils ont leurs compétences à la matière, et Madame la Première ministre a répondu à cette intervention que j'ai faite, qui a dit oui, mais nous ferons en sorte de tenir compte pour les territoires, pour chaque territoire, qu'il y ait effectivement cette particularité, cet engagement pour tenir compte de la richesse que nous avons et surtout pour répondre aux changements globaux. Les conséquences des changements globaux, changements climatiques, les réfugiés climatiques, l'érosion du trait de côte, tout ceci va demander, au-delà de pouvoir indemniser en dehors du fait qu'effectivement qu'il faut répondre, mais surtout pour l'avenir et tous les efforts en aménagement que nous aurons à faire. Et voilà pour donc cette réaction. On va maintenant recevoir Marie Laetitia, donc qui est docteur, enseignante chercheuse à l'Université de Floride Centrale. Bienvenue sur le plateau. Merci en pile. Hein. Donc, guadeloupéenne, installée en Floride depuis 1987. Vous êtes doctorante avec une maîtrise en français, directrice adjointe du département de langue étrangère. Vous avez eu des bourses, des prix. Vous avez publié des livres, notamment Mounlakou et du haut de l'autre bord, donc originaire de la Côte-Montbruno
entre Pointe-à-Pitre et les Abîmes, vraiment installé. Mais maintenant, vous venez nous parler de quelque chose de très différent qui s'appelle les pauses, les doucets quantiques. Alors, comment on fait pour passer justement de ce cursus très universitaire, etc., à quelque chose de l'ordre du bien-être et de prendre soin de soi? Ben, pour moi, tout ça caille ensemble. On va espérer qu'on peut continuer comme disait Benzo par les créoles. Pas de souci. Parce que c'est vraiment, mon Guadeloupe, hein, l'ombrique en moi enraciné à Moule. Et donc, avant de répondre à la question, on peut dire que tout ça, on dit là, t'allais là, si palmarès professionnel en moins, c'est des biens qu'on fait dans le passé. Par exemple, être directrice adjointe, ça, c'est une délannée que ça fait. Mm. Donc, on n'a pas envie que monde pense que, voilà. Et donc, qui j'ai encore fait passer un cursus vraiment professionnel, universitaire, à ça encore fait à présent dans le monde quantique? Eh bien, c'est bien simple. Pour moi, on a trouvé tout ça bien mélangé, tout ça qu'on en est ensemble. Parce qu'à dans recherche en moins, mon cas dit recherche à présent, mais on n'est pas tellement habitué avec ça. À dans recherche en moins, on toujours été intéressé à dans ça qui identité créole en nous, identité guadeloupéenne en nous, qu'est-ce qu'a fait en guadeloupéen, qu'est-ce qu'a fait en guadeloupéenne. Et dans tout ça en fait, tout livre qu'on a écrit, tout manuel qu'on a écrit, tout article qu'on a écrit, c'était toujours assis ça, en tout cas, posez-moi. Et toute recherche là ça, toute recherche là ça, fait qu'on venait à poser moi, mais qui m'a nouillé? Qui j'en nourri, nous qui arrivé la nouiller là? Et c'est pour ça qu'on est arrivé dans le monde du quantique à présent. Alors, quantique, c'est cahier ça. Ben, c'est ça, on a parlé des quantiques. Mais si vous écoutez M. Benzo, dans ça, il a raconté, il est là. Il a parlé des sages ancêtres en nous et grands mouns avant nous, il a parlé. Il a parlé des moun ka changé koayo, moun ki ka passé d'un côté en autre, moun ki ka tourné chien, etc., etc. Mais tout ça, à présent, moun ki ka fait recherche quantique, il va créer ça le quantique. Qu'est-ce qu'est quantique? Mais c'était, façon métaphysique ça. Normalement. C'est je crois parler de physique quantique. Physique quantique a débordé à dans guérison quantique. Le quantique c'est quoi? C'est le monde de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est le monde de l'infini du possible infini. C'est-à-dire que toute bitien a commencé à partir de information. Information là qui a changé à dans énergie et énergie là qui a vine en matière finalement. Tout ça nous avons alentour nous là commencer par information. En quelque un exemple bien simple. Si vous avez un grain à mango, planter mango là, il peut que Jean baron pied groseille, il peut que Jean divini en pied sirette. Parce que pourquoi? Parce que mango c'est mango. Grain à mango là, ni toute information à dans puis pesa pevin on pied mango et puis bay mango et bien que continuer à l'infini. Là nous avons parlé de par exemple le Big Bang. Les monde qui a essayé d'expliquer qui je nous fait arriver ici dedans. Il a dit ouais, tout a commencé avec un Big Bang, une explosion qui a donné la vie. Eh ben pour moi ne pas poser la question mais qui t'en s'est arrêté Big Bang là ça. Eh ben en fait, il pas j'en arrêté. Parce que quand vous voyez ça par exemple là où madame qui a fait un petit monde. C'est une sorte d'explosion de vie qui a sorti là. Et des timouna ça, qui est sorti timoun. Donc, explosion là, ça est infini. La vie est infinie. Tout est possible, en fait. Dans le monde du quantique, tout est possible. Et dans ça, nous comprendre que c'est nous-mêmes en nous qui a organisé la vie en nous. Tout ça qui est arrivé à l'entour en nous, c'est nous-mêmes en nous qui a occasionné. À partir des moments là, ça, nous avons commencé à vivre en vie qui n'est plus lumière à Adam. Et c'est là qu'on va arriver, en fait, à dans ça, en cas proposé, en cas accompagné, moun, à réaliser que tout le bitena qui a sorti à partir de chaos. L'amour là qui a sorti en chaos, mais aussi des informations et des vibrations qui peut-être totalement l'amour qui a sorti aussi en chaos. Mais tout ça qui sorti d'une manière lumineuse, d'une manière positive, qui est vibré avec d'autres bagailles, d'autres bitins qui sont lumineux et positifs et qui fait que la vie a avancé d'une manière positive. Donc, en fait, quantique, Léo qui a parlé des doucets quantiques, c'est en lumière ou comme était en laissé moulin, enfin, pour y prendre conscience à la lumière à yo et en qui j'en sapais ni incidence en les via yo, c'est ça? Absolument. Il y a plusieurs manières, plusieurs façons d'aborder ça. Léo, en petit, grand-mère en moi, envoyé, t'es qu'à frotter moun. Et envoyer aussi des cas
replacer bouquet à moun, ni ka gade moun ka di a bouquet à ou descend et ka y frotte ou ki frotte ou avec ventouse, ki frotte ou avec ki mette sensi en l'air, mais ki aussi ba ou des bains ki ka prend feuillage derrière kazaï et avec ça il qui préparer un bain qui mettait au soleil et toute bitin à plante là il qui mettait sans les corps et ça c'est le cantique aussi il fait nous abandonner croyance mais c'est l'habitude dans nous pour nous adopter d'autres manières de guérison d'autres manières d'avoir la vie mais toute bitin là alentour nous donc le 5 novembre c'est ça au cas proposons mini retraite douce oui. Cantique et puis tout ça au dit là bain feuillage est-ce que vous pouvez expliquer nous rapidement eh ben, rapidement puis bas autre processus là nous avons contrer à la plage de Babin nous avons petit marécage à Babin nous avons passé par là on a expliqué pas mal de choses on a partagé avec Simona qui genre marécage là important qui genre marécage là qui fait partie de nous aussi et nous avons avancé plus tard jusqu'à temps nous arriver à prendre un bain avec la boue et expliquer mon en conscience qui j'ai peut prendre un bain pour la boue là faire du bien là même la boue là qui a sorti dans marécage là c'est ça qu'on a mis finalement les peaux et que bah tout ça au besoin la boue c'est pétrole la boue c'est ça qu'on a utilisé pour y faire pétrole vieille la boue là qui est restée encrassé à dentelle là. C'est ça aussi hein, mais ni dit bon bitin à dans la boue qui bon pour corps nous. Et après ça, là nous fin prendre ben là en conscience, comprendre vraiment que j'aime quoi lien avec la nati, ben nous caler à pifon à mon allo, à Camanchonquel, à dans lieu qui a créé les 5 C et là son tiers lieu, mais bitin là côté là qu'à recevoir bras grand ouvert. Et là, à un moment là, ça, en jardin à mon Émilie, nous avons apprendre préparer bien nous. Nous avons fait un petit herbier, c'est-à-dire que toute feuille que nous avons apprendre jour là ça, nous avons collé dans un petit cahier pour nous apprendre qui ça a servi nous. Nous avons fait petit brin yoga nidra, c'est-à-dire qu'on a crié yoga nidra, c'est le sommeil du yogi, c'est-à-dire en cas tout le monde couché là et en fait ils font un voyage en même les monde dans l'Afrique en tête à yo et mes voyages là ça sont voyage créateur ou qu'a créer la vie là que au vie là et même petite plante là petite graine là qu'a apprendre vous planter là en faire parler pour graine là pour partager avec graine là qu'a ouvrir pour vie et là que vrai graine là qu'a pousser plus ça ou que vrai que l'idée a ça ou vie ça ou planter c'est ça ou qu'a récolter. Voilà. Donc, le 5 novembre, rendez-vous Plage de Babin, donc à partir de... À partir de 10h30. Il y aura Dinek toujours en retard. On va attendre tout le monde, vraiment. Venez avant les... Avant les, pour commencer à 10h30. Voilà. Voilà. Ben, merci d'être venu. En tout cas, beaucoup de bonnes choses, de bonnes vibrations pour cette journée qui s'annonce vraiment lumineuse. Je vais partager avec eux mon numéro de téléphone. Oui, tout donc, à fait. Téléphonez-moi. Le numéro local, là, c'est 06 90 95 27 64. Et le numéro américain, c'est le 407-797-7831. Donc, c'est très important de me contacter pour recevoir le lien où vous pourrez vous enregistrer. Voilà, merci beaucoup. On va revenir sur les différents sujets que nous avons pu aborder aujourd'hui au niveau de l'actualité. Il était question donc de cette réunion à Vieux-Fort pour la départementale 6 qui était fermée suite aux intempéries. On a fait un petit point dessus ainsi que sur l'éboulement de la route de Gourbert où nous avons fait aussi un retour sur la rencontre du match féminin entre Puba et les Guada Girls. Ensuite, nous sommes allés sur Petit-Bourg par rapport à cette 4e édition de l'opération J'entretiens ma santé, organisée par le CANBT. Et nous avons clôturé le mois du créole à Petit-Bourg, toujours avec ces manifestations qui ont lieu en lien avec la langue créole. Aujourd'hui, nous avons reçu Abel Alexis, donc chef de service de l'aide à la parentalité, psychologue au conseil départemental, qui nous a parlé de ces journées départementales de l'enfance qui commencent le 3 novembre. Nous sommes venus avec Monette William et Pascal Soumena parler de la JSF et de cette journée qu'ils organisent en lien avec la patate douce et l'avocat, donc où il y a des conférences et différents ateliers qui sont proposés ce dimanche à la JSF.
On vient de voir avec Benzo cette soirée Soukounian qui aura lieu à Beauport à partir de 19h. Et on vient de voir aussi avec Marie-Laetitia cette journée Doucet Cantique qui aura lieu à Mornalo. On va juste enchaîner pour terminer avec cette vidéo qui parle de cette journée de demain, soirée de demain, soirée Soukounian avec Benzo. On va terminer par ce petit visuel. Merci pour votre attention aujourd'hui. À la technique, on avait Mélanie aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Mardi 31 octobre 2023, 19h à Beauport. Soirée Soukounian, la nuit des Soukounians. Alors il faut venir. Je saurais comment faire Soukounian, comment arrêter le Soukounian, comment se protéger du Soukounian, quoi faire le Soukounian. Ou à d'autres côtés, les gens des Antilles. Soirée Soukounian, 31, 19h à Beauport.